Benjamin Fulford, le 17 février 2015 des bombes nucléaires en Ukraine, verrouillage de la CIA, blocus de la côte ouest des États-Unis, et plus alors que la destruction de la cabale se poursuit dans la perspective du nouvel an lunaire du 19 février, une offensive majeure se poursuit contre la cabale. Cette offensive s'est traduite pour un blocus de toutes les activités portuaires de la côte ouest, un verrouillage du quartier général de la CIA, à l'Anglais en Virginie, et des mouvements de troupes dans le Mid-East, USA. Dans l'intervalle des explosions nucléaires d'une extrême violence, sont organisées aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient par la Kébale, ce nazi alors qu'elle essaie désespérément de rester au pouvoir en finalisant un coup d'État fasciste. Les événements en Ukraine étaient peut-être les plus dramatiques. Comme je l'ai mentionné brièvement dans la lettre d'information de la semaine dernière, une arme nucléaire de faible puissance a été utilisée contre les milices pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Le gouvernement rebelle l'a confirmé lors d'une conférence de presse lorsqu'ils ont indiqué qu'un missile d'une puissance explosive de 500 tonnes de TNT, soit 0,5 kilotonnes, les avait frappés. Ce qui arrive n'est possible qu'avec des armes nucléaires. Pour confirmer qu'une arme nucléaire non conventionnelle avait été utilisée, une surveillance de l'Institut géologique national des États-Unis a enregistré un tremblement de terre d'une magnitude 6,8 à la frontière russo-ukrainienne au moment de l'explosion. Ce rapport a été communiqué sur leur site pendant 20 minutes avant d'être supprimé. Après cette explosion, une source basée aux États-Unis qui avait prédit avec justesse les actes terroristes réguliers de la Kabbal, m'a envoyé un courriel indiquant qu'il y avait quatre autres charges prêtes à être mises à feu à proximité de l'Ukraine, l'une cible le sud de Donetsk, une autre Stalingrad, maintenant Volgograd, et une autre une zone au nord-est de la deuxième cible, dont le cône est en cours d'acheminement vers les environs de Donetsk. Ces menaces nucléaires par des sources basées aux États-Unis font suite à la rupture définitive de la France et de l'Allemagne avec Washington DC lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine. Après des pourparlers marathons, ils ont réussi à conclure un cessez-le-feu la semaine dernière, 15 février. Au moment de la rédaction, le cessez-le-feu est à respecter mis à part une poche de troupes ukrainiennes encerclées près d'un nœud ferroviaire à Donetsk. Il y a des indices croissants que l'arrestation en Allemagne d'un représentant du gouvernement américain porteur de millions de dollars de devises contrefaites pour l'Ukraine a déjà provoqué des répercussions majeures. Les Américains semblent avoir accepté l'accord conclu par les Européens et le fait que la région de l'Ukraine limitrophe de la mer d'Azov riche en gaz deviendra russe. Lors d'une récente conférence sur la sécurité en Allemagne, le vice-président américain Joe Biden s'est référé à l'Ukraine comme s'étendant de Lviv à Kharkiv. Ce qui implique, comme vous pouvez le déduire en regardant cette carte, que la partie orientale de l'Ukraine reliant la Russie à la Crimée sera rattachée à la Russie. Les Allemands ont découvert que la CIA finançait le meurtre et la terreur, et ont pu exercer des pressions sur le Pentagone pour qu'il mette fin à l'origine de cette terreur, à savoir la faction nazie de George Bush de la CIA. Il y a des reportages sur le net selon lesquels le siège de la CIA à l'Anglais en Virginie aurait été fermé. Nos sources du MI5 confirment que c'est le cas. Une autre source de la CIA nous a dit que c'était juste pour une visite d'un VIP. Une source du Pentagone n'avait pas encore répondu à nos appels avant la rédaction de l'article. Les sources de la loge p du Vatican confirment que le Pentagone a arrêté 8 dirigeants casards à Washington D.C. sans donner les noms et que les relations entre la CIA et le Pentagone n'étaient pas bonnes. Il y a une forte probabilité que cette fermeture soit une condition sine qua non pour que les Chinois renouvellent le financement de la dette américaine qui vient à échéance cette semaine. Xinhua, le site d'information officielle de la Chine, a affiché une première page dont l'article accuse quasiment les États-Unis de financer le terrorisme mondial. Cela fait suite à l'accusation, par la Russie, que le gouvernement américain est responsable de l'attaque terroriste du 11 septembre sur les États-Unis, et vient juste avant qu'une conférence antiterroriste de 60 pays ne se tienne à Washington, DC. L'autre grand indice de la pression qui s'exerce sur le régime criminel de Washington, DC, peut se voir dans le fait que toutes les activités portuaires à destination et en provenance de la côte ouest américaine ont été bloquées. Des sources de l'Union syndicale des Dockers, à Portland, en Oregon, ont mis en évidence que cet arrêt d'activité n'est pas dû à un conflit social du travail, comme le prétendent les médias de propagande américains. Cela ferait plutôt partie d'un blocus asiatique contre les forces américaines, pour les obliger à s'occuper des criminels de Washington dès que la fermeture de la faction criminelle de la CIA pourrait avoir été leur condition. La chute de l'index Baltic Braille, à des niveaux records, reflète cet embargo. Les Chinois ont également commencé à envoyer des navires marchands bons pour la casse comme un signal qu'il s'agissait d'une tendance long terme si nécessaire. Nous pouvons également confirmer par des sources de la loge P2 du Vatican que la vague de froid inhabituelle qui a frappé la côte est américaine fait partie d'une guerre climatique destinée à forcer la cabale, ce nazi de Washington d'essayer à se rendre. Ce genre de technologie existe et ne se limite pas à sponsor des nuages astérisques comme des reportages de propagande voudraient nous le faire croire. Astérisque lancement lance des nuages est une technique consistant à vaporiser des substances chimiques dans les nuages pour augmenter la teneur en vapeur d'eau et faire pleuvoir. Cette technique a été utilisée pour la première fois à grande échelle lors de la guerre du Vietnam NDT. Des lecteurs de la semaine dernière lisant cette lettre d'information ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que le département américain de la sécurité intérieure, Homeland Security ou DHS, pourra mettre à exécution ses prévisions d'arrestation de citoyens américains et la proclamation de la loi martiale. Il se peut en effet que la loi martiale soit proclamée, mais vous pouvez être sûr que ce sera pour protéger et non arrêter les citoyens américains, car le département de la sécurité intérieure s'est vu privé de tout financement. Même si les sbires du DHS tentent un coup d'État, en cas de conflit, ce seront les casquettes blanches du Pentagone et les agences de renseignement qui gagneront les doigts dans le nez. Le changement de régime aux États-Unis sera positif. Il y a eu également beaucoup d'événements au Moyen-Orient. La nation riche en pétrole du Koweït a vécu une coupure totale d'électricité la semaine dernière. Cela a été suivi de l'annonce que les États-Unis allaient envoyer 4000 blindés et de l'infanterie lourde. Entre temps au Yémen, le fait que la plupart des ambassades aient été fermées et les agents de la CIA expulsés alors même que des forces régulières américaines continuent d'y stationner est une confirmation supplémentaire de la rupture des relations entre le Pentagone et la faction nazie de la CIA. La campagne contre l'armée pseudo-islamique de l'AISIS basée en Israël prend de l'ampleur. Les observateurs des Nations unies stationnés à la frontière israélo-syrienne ont confirmé que les travaillait en étroite collaboration avec les Israéliens. Il en va de même des Saoudiens. Alignés contre eux, on trouve une coalition d'autres pays arabes, la Russie et le Pentagone, qui s'emploient activement à détruire les. Les Égyptiens ont également attaqué les en Libye la semaine dernière. Cela s'est produit après que le ministre français de la Défense s'est promis de sauver Israël en lui fournissant du pétrole libyen. Rappelez-vous que c'était les Français, les Britanniques et les Italiens qui ont renversé le régime libyen, pas le Pentagone. À présent il semble que ce soit les Égyptiens et les Russes, avec le soutien tacite du Pentagone, qui contre-attaquent au nom des peuples de la région. La semaine dernière j'ai participé au Japon à une émission TV, en direct au cours de laquelle de nombreux commentateurs, y compris votre serviteur, ont clairement dit aux téléspectateurs que l'aide n'était ni islamique ni arabe, mais une armée de mercenaires dirigée par les Israéliens. En Europe également, les nazionistes sont en cavale. La situation concernant la dette grecque demeure dans l'impasse, le FMI a toujours privé de fonds, Christine Lagarde est mise en examen en France, et maintenant le président russe Poutine visite la Hongrie pour confirmer que ce pays a rompu tous ses liens avec les intérêts bancaires des Rothschild. En parlant des Rothschild, la semaine dernière une personne appelée Nakayama Rothschild a contacté la société du dragon blanc WDS. Les Nord-Coréens, les Chinois, le Mossad, les Illuminati Gnostiques, les financiers juifs et les groupes kurdes ont également contacté la WDS pour discuter de la création d'un nouveau système financier. Pour le moment, il y a eu accord sur la nécessité de mettre fin à la pauvreté, à la destruction de l'environnement et pour commencer l'expansion dans l'espace. Il y a également un accord très large pour autoriser la technologie de l'énergie libre pour autant qu'on ne puisse pas en faire un usage destructeur. Cela ne nuira pas aux intérêts de l'industrie des hydrocarbures, charbon, pétrole gaz, etc. Parce qu'à l'ère de l'énergie libre, le carbone deviendra la matière première la plus recherchée. Le carbone deviendra l'élément fondamental des nouveaux écosystèmes. Sur une note moins positive, nous n'avons pas encore été capables d'identifier exactement qui ou pourquoi on nous empêche d'utiliser des technologies de prolongation de la durée de vie ou de régénération. Jetez un coup d'œil à ce rapport pour voir un exemple de la manière dont on nous empêche de prolonger nos vies. Il s'agit d'un article sur des scientifiques d'Harvard qui ont découvert un composant qui transforme des souris d'un âge équivalent à 60 ans pour l'homme en leurs équivalents de 20 ans. Lorsque cela a été annoncé pour la première fois, le composant a été décrit comme une simple protéine. Mais dans cet article, il est indiqué que cela coûterait 50 000 dollars par jour ou 18 millions de dollars par an à un humain. Ce genre d'article du monde scientifique et la découverte d'une substance qui prolonge la vie par et une fois par an est immédiatement suivi d'une raison expliquant pourquoi elle sera inabordable. La même chose est vraie pour les tentatives de modification de nos gènes pour nous rendre plus intelligents, plus forts, plus beaux et généralement meilleurs. Quelqu'un ou quelque chose veut que nos vies continuent à être courtes et dures. Traduction Patrick Revisabelle